Carmen de Georges Bizet, évidemment, qui triomphe en ce moment à l'Opéra Bastille. Alors, c'est un Carmen très loin du Carmen traditionnel, de la carte postale et des clichés, c'est plutôt sulfureux. Ouais, ça déménage, pas d'éventail, pas de robe rouge à pois noir, à moins que ce soit l'inverse. On est bien près des remparts de Séville, comme le chant de Carmen, mais plutôt dans l'Espagne des années 70. On est chez les Gitans, avec sur scène, vous allez le voir, vous le voyez, des grosses cylindrées allemandes. Et puis, cette mise en scène crue de l'Espagnol Calixto Bieto, qui est une mise en scène qui après 20 ans, c'est la première fois qu'elle arrive à Paris. On va dire qu'elle est plutôt crue, pas scandaleuse, mais enfin avec une charge érotique certaine. Une scène souvent assez nue. C'est la première fois à l'Opéra de Paris. C'est aussi une première pour Roberto Alagna, le plus grand, le plus célèbre tonnerre français. Une première, en tout cas à Paris, c'est son rôle fétiche Don José, mais c'est la première fois qu'il le chante sur la scène de l'Opéra de Paris. On l'a rencontré juste avant qu'il chante. Regardez. Français qui a conquis le monde. C'est un ouvrage qui a été fait par un jeune compositeur. Il ne faut pas oublier que Bizet est décédé, il avait 36 ans à peine. C'est l'œuvre d'un génie. En même temps, ce qui est curieux, c'est que c'est une histoire espagnole qui se passe en Espagne et c'est le plus français de tous les opéras. C'est l'Espagne d'aujourd'hui, hein, donc avec des terrains vagues, avec ces gitans qui font de la contrebande d'électroménager, d'un peu de tout sur des terrains vagues. Donc vous voyez, ça, c'est tout le côté des années 70 avec ces habits un peu très, très colorés, ce toréador qui vient un peu en macho. Je trouve que vraiment ça dépeint bien, ça rappelle un peu les films d'Almodovar, c'est très cinématographique. Je ne sais pas encore comment je vais l'interpréter ce soir. L'interprétation va naître du moment, va naître du contact avec mes partenaires, du contact avec le public, avec l'orchestre, avec le chef, avec tous les gens qui m'entourent, avec les machinistes, avec tout le monde. Et voilà. Et donc, la magie va opérer à partir du moment où tout ça va s'assembler comme dans un puzzle et que le spectacle va avoir lieu. Et j'espère que ce soir, on aura une belle soirée.